Et parti, je t'écoute. Ben voilà Thierry, moi je voulais dire que j'avais plein de choses qui allaient beaucoup mieux depuis que je prends des jus. Mm-hmm. J'ai commencé d'abord par supprimer tout ce qu'il fallait pas puisque je suis passée de végétarienne à végétalienne. D'accord. Et puis j'ai découvert ton site. J'avais des problèmes articulaires. Je ne savais plus bouger les doigts. J'ai récupéré toute ma mobilité. Ouais, tiens, regarde, on peut le voir sur tes mains. On voit encore les déformations. D'accord, mais maintenant, tu arrives à les faire. Je n'ai plus de douleur. J'ai plus de douleur. Mm-hmm. J'ai plus de problème. J'avais des doigts ressorts, comme on appelle des doigts ressorts. D'accord. Qui se coinçaient. Qu'est-ce que je fais? Je ne prends plus du tout d'anti-inflammatoire. Je ne prends plus d'antidouleur. Je fonctionnais à l'alprazolam pour mon sommeil et au noctamide, que je ne prends plus non plus. J'ai pourtant été opérée de deux hernies discales, d'une rupture de ligament de l'épaule, puisque j'étais infirmière à domicile. Donc voilà, j'ai récupéré plein de mobilité là. Mes genoux, ça va super bien. Alors que j'avais un rhumatologue qui allait me mettre sous médicaments, je ne sais pas trop lesquels, mais bon, voilà. Donc tout va pour le mieux. J'ai été opérée aussi d'un granulome lorsque j'ai été opérée d'une hernie inguinale. Oui. Et ce granulome était, enfin les mêmes douleurs de ce granulome étaient réapparues et j'avais pensé reconsulter. Et puisque j'étais occupée au jus et tout ça et à l'alimentation crue, j'ai eu des pertes vaginales qui ont disparu avec la douleur au bout de deux jours. Excellent. Et voilà, donc j'ai pas dû consulter. Ben voilà, donc je peux que conseiller à toutes les personnes qui ont envie de s'améliorer, de tenter le coup. Ouais, tenter l'expérience, voilà, de voir pas. D'essayer parce que j'y croyais pas. Et j'ai essayé et voilà. C'est cool. Nickel. Super. Et je vais avoir 62 ans et j'espère vivre encore très longtemps. Yes, je te remercie beaucoup. Voilà.